Bonsoir à toutes amis la presse parlée, écrite et télévisée, amis téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, avec toutes compatriotes nous qui suivent nous sur Internet là pour 53e sortie le lundi de la presse. Jeudi lundi, qui est-ce nous gagne avec nous là? Nous gagne directeur général Société National des Parcs Industriels Sonapi, qui c'est M. Bernard Chetini, qui pourra parler nous de mission Sonapi, activité que vous réalisez, et ensuite avec perspective pour faire institution ça marcher. Sans plus tarder, je vais passer le micro à mon collègue Ben, directeur général. Là. Donc, nous allons commencer sans plus tarder avec présentation. Tout d'abord, qui ça Sonapi est, qui est dans la société hein? Qui impact lié à tout dans la société hein, et qui bon nous-mêmes et avec le gouvernement nous voulons mener sur la pi au point de vue création d'emploi. Moi tenu à rappeler que notre job principal nous c'est création d'emploi. Création d'emploi. Ok. Et sans plus tarder, on a commencé avec la présentation nous. Hein. On a commencé par dire nous que Société Nationale des Parcs Industriels là, Sonapi d'après dit là, son organisme autonome de droit public créé par décret en date du 22 octobre 1981. Actuellement, nous sommes sous supervision, nous sommes sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie et nous supervisés par un conseil d'administration. Le conseil d'administration, ça, il y a un ministère Commerce et Industrie qui préside, il y a un ministère des Finances, il y a un ministère des Affaires Sociales, il y a un ADI et il y a un représentant et groupe syndical. Actuellement, il est dirigé par un directeur général, qui c'est moi-même, Takunte Dindaleur, qui est nommé par arrêté présidentiel en mars 2017. Vision nous, mission Sonapi tout d'abord, c'est promotion, création d'emplois. C'est un vecteur de création d'emplois liés et un moteur dans le développement économique pays. L'ILA pour lui assurer création, organisation et gestion parc industriel. L'ILA pour créer un nouveau espace tout qui conforme avec normes internationales. Vision, non? Le textile, là, côté, c'est un point fort, non? Mais encore pour nous diversifier. Parce que c'est pas là, nous voulons limiter, non? Secteur textile, là, oui, il est important, oui, il y a une pile création d'emplois actuellement, mais qu'on y a l'île, pour nous-mêmes, qu'on y a, nous commencer à penser à un autre type d'investisseur. Mon cap vient investir comme si l'embraine, le cerveau, dans l'autre activité que nous-mêmes, nous capables de faire en Haïti, parce que nous sommes très intelligents. Nous avons deux parcs sous responsabilité, nous, et nous avons un parc industriel et métropolitain qui porte au prince que tout le monde connaît, assez souvent assimilé à Sonapi. Oh, mais c'est pour nous, c'est parc industriel métropolitain, c'est PIM. Nous avons également un PIC qui est parc industriel de Caracol. Et assez souvent, nous avons identifié nous à parc Port-au-Prince. Non, job moi à cause depuis ces parcs qui ont un rapport avec l'État, c'est nous-mêmes qui l'avons tête. Et nous avons commencé par le parc industriel et Caracol là. Donc nous tous connaissons son parc qui est situé dans le nord-est d'Haïti. Okay? C'est un parc qui est sous 252 hectares. Il est entièrement clôturé. Nous commençons la construction en novembre 2011. Il commence opérationnel en mars 2012. Actuellement, nous avons 14 bâtiments en carotel. Nous avons 4 dortoirs pour travailleurs étrangers et personnel de gestion. Et 4 dortoirs, chaque gagne à peu près 50 chambres là-dedans, ce qui fait à peu près nous 200 chambres. Nous avons décidé d'un petit hôtel qui gagne dans la zone nord. Nous avons 5 compagnies nationales et internationales qui sont installées. Nous avons plus le secteur investissement, nous avons plus l'habillement. Nous avons peinture tout, nous avons produit cisal et nous avons des composantes de construction. Nous avons 14 000 emplois actuellement dans le port industriel Caracol. Nous avons 14 000 personnes que nous sommes capables de travailler dans la zone. Performance nous on a dit en avril nous avons 14 800 emplois. Il y a plus de 725 millions de dollars d'exportation de 2012 à 2017. Donc nous sommes capables de voir que son secteur est assez important, surtout la stabilisation à fait dollars. Nous avons un investissement de près de 246 millions de dollars déjà qui fait. Et nous avons une balance de 43 millions. C'est pour me dire qu'investissement, ça, ce sont des dons que vous avez. C'est la bille qui baille, et il y a un parti tout qui investit par USAID, lui-même qui fait centrale électrique, fameuse centrale Enrica, centrale Caracol, là, j'ai habitué les deux. Nous avons 190 000 mètres de vie nocturne, ça veut dire que, et bon dynamisme, l'investissement, et que le pays a lui-même capable d'aller de l'avant. Au point de vue transport, c'est pour nous dire que c'est le seul port à travers le pays qui offre transport gratuitement. Et pour 14 000 ouvriers, il y a à peu près 12 000 ouvriers qui servent avec les services de transport noir. Nous avons 72 bus actuellement qui bâillent service gratuitement aux ouvriers. Moi, je reprends encore gratuitement, c'est assez important pour nous comme ça. Et c'est le patron qui paye directement. Nous-mêmes, nous assurons le service là seulement.
Quant à l'usine électrique dans lui-même, son usine électrique nous gagne, nous tout compte dans les balais de lit, c'est pas Caracol là, l'usine Caracol, l'usine Enrica, électricité ça. Il y a 25 MW qui peut construire là-dedans. Dans 25 MW là, il y a 10 qui déjà construit. Actuellement, on a utilisé à peu près 6 MW là-dedans. Et il fournit également énergie dans la zone. Il y a plus de 8000, près de 9000 monde travail. Et, excusez-moi, électricité la caillou. Ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, un paquet d'activités capables de créer. Il y a 5 MW additionnels qui vont au point de vue solaire. Il y a 10 MW au point de vue éolien. Et le contrat finit très bientôt. Nous avons une firme et nous avons une ONG qui a géré l'eau domestique. Station de traitement d'eau usée. Assez souvent, investisseurs, la ville dans la zone, nouvelle donne, ils que l'eau utilisée ou pas qu'elle la comme ça dans la nature. Donc, sont de l'eau fort traitée. Ce qui voulait dire que c'était une priorité, non, au point de vue parc industriel Caracol, là, c'était mettre en station de traitement des eaux usées. Et c'est seul nous-mêmes actuellement qui avons le tout, moi qui ai dit actuellement. Il y a un traitement biologique, en lieu et place que il y a des systèmes motorisés, c'est simplement des macrophytes, des gros bassins à poids qui sont assez grands. C'est à travers eux-mêmes que des décantations en fait, et que de l'eau à l'eau sortit, les sorties pures. Les sorties pures, même genre pratiquement, que l'état rentré dans l'usine, là. Donc, ce sont de l'eau qui est pure, qui est capable d'utiliser normalement, pas aucune possibilité d'intoxication, ni de, ni que de l'eau, ça, lui-même, a contaminé aucun cycle dans la zone, là. Si lui-même, c'est de 3600 m3 d'eau par jour que l'on capable de traiter. Au point de vue Caracol, tout, c'est pour identifier Caracol, on a dit, dans une ville. Parce que nous avons un service ambulance, nous avons un service pompier, nous avons actuellement tout, nous avons un propre commissariat en haut qui permet de nous garantir une certaine sécurité à ouvriers et également à investisseurs. Même tout, il y a des transactions que l'on fait. Nous avons des logements, j'ai compté des talents à tout, nous avons 4 bâtiments de 50 habitations chaque, ce qui donne à peu près 200 et chambres pour nous. Nous avons les premiers soins que nous offrons, nous avons au FATMA sur place, nous avons une formation tout, parce que assez souvent tout, c'est pour nous dire l'important, le type d'investisseur, c'est à venir pour textile là surtout. Je m'en ai qu'il y a des centres de formation pour capable préparer ouvriers. Donc, nous avons un centre ça tout qui est construit au niveau de Caracol. Et pour accès aérien, si il y a une urgence, évacuation, monde ou visite d'investisseurs, nous avons 3 pistes pour hélicoptère qui est en haut à tout. Pour l'impact socio-économique, nous avons droit de dire nous, rapidement, et nous avons monté tableau à moi, s'il vous plaît. Tableau, s'il vous plaît. Bon, et mon tableau m'a là, et bon, pas le balin de lui. Mais c'est pas tableau ça, et passez l'autre slide là, moi, s'il vous plaît, ce tableau à monter. Ok, mettez-le-bas. Ok. Ça me dévle, dis-nous, il prend une augmentation de près de 120%. Donc, on y a nous passé à 14 800 emplois en 2018. Donc, c'est pour nous capables de voir que c'est une constante et croissance qui gagne au point de vue Caracol en termes de création d'emplois. Là, nous prenons payroll, là, on y a, et le map prend impact surtout. Là, on a pris payroll, là, on a remarqué que nous gagnons et pour payroll, par exemple, pour trimestre 2018, là, c'est à peu près 7 millions de dollars américains. Nous avons 7 120 603 dollars américains pour payroll deuxième trimestre. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous avons un peu plus de 2 millions de dollars par mois en termes de payroll. Donc ça veut dire capable d'une activité économique là-dedans. Gagner activité économique là-dedans. Plus avec courant, mon de vie. Nous capable d'avoir un train de vie grâce à port industriel Caracol là qui est actuellement dans notre des jambes d'actil. Et nous avons évolution emploi déjà, balai de lit. Et en termes d'exportation, le nouveau premier trimestre, et pas le dernier chiffre, bon, le premier trimestre seulement, c'est plus de 43 millions de dollars d'exportation que porte industriel Caracol là, poté dans la zone. Et pas oublié, tant qu'on dit, c'est dollars dans le pays. Donc, son secteur, il faut caresser, il faut protéger, il faut pas quitter une bédule. Et surtout que qu'on y est capable de dire que il y a d'autres possibilités qui créent, parce qu'il y a des pays dans la zone, qui ont perdu dans le secteur ça. Donc, nous avons été récupérés dans un premier temps. Bien entendu, tant qu'on dit là, c'est pas ça qui est objectif, non. Objectif, donc, c'est créer un emploi rapidement, mais après ça diversifier surtout l'investissement. Quand il y a un parc industriel et métropolitain, PIM, là, ça crée les parcs industriels là, sur là, que tout le monde connaît, que tout le monde connaît plus. Lui-même, est dans le c'est la municipalité d'Elmalier, il y a 2000 de Port-au-Prince et en 2000 d'aéroport, aéroport sans face qu'il y ait. Et le marchandise là prend avion, il prend à peu près 3 heures de temps pour arriver, et là, il prend bateau, ça à peu près 3 jours le prend pour arriver au niveau des États-Unis, qui premier importateur, capable de dire, de secteur textile là, qui est en Haïti. Parc industriel, ça, pour nous aller, et nous avons venu à 59 hectares, qu'on y allait à peu près à plus de 66 hectares, parce qu'on paquet de propriétés dans la zone, et ces propriétés passent à la priorité, donc nous récupérons. Actuellement,
et je suis capable de dire en 20 années encore, nous allons gagner tout dans la société. Donc, encore une fois, nous parlons que c'est un bail qui est en constante et en croissance qui constate là-dedans, et il est toujours créé un emploi additionnel, et c'est ça qu'on a demandé support un peu partout, et le même monde est qui est responsable. Et le président de la République, là, particulièrement, pas jamais hésité à aucun moment de nous supporter nos besoins, et c'est ça qui permet que je dis, nous sommes capables d'atteindre une série de chiffres, Jean-Noël, là. Et après chiffres, et quand nous passons à 120%, et pour tout presse, nous parlons qu'il y a une augmentation de l'emploi et tout, et nous parlons de perspectives pour l'année à venir. Là. Donc, nous avons un emploi là, et nous avons passé, s'il vous plaît, prochain slide. Nous parlons là, et octobre 2017, il y a 9573 emplois. Actuellement, nous avons déjà 11053 emplois. Donc, encore une fois, nous avons une bonne croissance là-dedans. Et nous parlons que fin 2019, nous travaillons sur un projet qui aurait les PEPIM, c'est le projet d'expansion parc industriel métropolitain, les mêmes qui permettent de créer plus de 6000 emplois. Évitez-nous. Après marquer, nous offrons soins médicaux tout à travers CPFO pour mesdames surtout, parce que en pile monde dans le secteur textile là, c'est plus filé. Nous avons au FATMA, etc. Nous avons un centre de formation, nous avons un centre de restauration tout des ouvriers. Différents services que nous gagnons, bon, nous avons tous les quatre entités qui battent service internet dans le pays, hein, parce que nous connaissons que en pile la compagnie, c'est compagnie asiatique. Donc à tout moment, il faut être en contact, même la mi-temps la nuit, c'est ça qui fait qu'on est en pile dans l'extérieur, on vient habiter dans Port-au-Prince tout, dans Port là même, parce que nous avons d'autres tout, on va le montrer nous tout à l'heure, qui permettent yo, toujours en contact avec ce capet sur mon international là et comment y est. Donc nous avons tous les quatre compagnies, comme dit le Digicel et Natcom et Access IT, Ainet et autres. Lex. Pour infrastructure, rapidement, ça c'est ancien bâtiment de Gagnéo, et qui 3250, c'est trois derniers. Ancien, c'était à peu près 1500 mètres carrés dans le délit. L'autre service que nous offrons en bas, nous avons la banque, nous avons BNSEC disponible, nous avons Capital Bank, BUH, Sofides, toutes ces et formation jeune au point de vue technique qui est capable de permettre nous arriver à l'autre niveau dans et l'entrée dans le travail que nous avons dans le port. Et pour récupération, on y a propriété. On a remarqué rapidement, nous récupérer plusieurs propriétés, comme nous avons dit tout à l'heure. Propriété, ça, a permis nous de gagner accès à nous-mêmes, parce que assez souvent, nous avons des problèmes de sécurité, donc nous avons essayé d'augmenter les possibilités. Nous avons installation, là, pas de que nous avons fait, parce que nous connaissons tout. Nous parlons de loi 3-8, là, qui permet que les compagnies soient capables de travailler 24 sur 24. Donc, nous avons lumière pour nous être capables d'assurer la sécurité. Nous avons un système de caméra que nous avons mis. Nous avons un centre commercial, tout, et un convention center, je veux dire, que nous avons construit n'importe là, tout. Ça veut dire que ça veut dire que l'étranger a trouvé une présentation qui a fait, qui est capable de faire là même. Aéroport sans facilier, nous avons un propre hôtel, nous. Donc, présentation, pas aucune raison, pour ne pas faire sur place. Et expansion de Kumbanel, c'est au niveau de PIM et au niveau de PIC. Parce que PIC, tout, il y a 43 millions de dollars qui étaient la main et bid cap décaissé sur les conséquences ça pour nous. L'autre baillot, comme dit nous, c'est prochain et next. Prochain slide, s'il vous plaît. Oui, là, c'est une possibilité qui gagne avec fin 2018 à 2019. Nous avons remarqué que nous avons comme compagnie, nous avons Wilbes qui était là déjà, qui a demandé des expansions. Et nous avons remarqué que nous avons NC qui va monter en quantité tout. Nous avons Elisa, nous avons Konya au niveau de PIC, nous avons SNH et SIDM qui est SAUA. Nous avons Everest, Mass Holding et nous avons le total là, nous avons fait 5000 additionnels fin 2018, 2019 pour Caracol, nous avons fait 6300. Et au niveau du PIM, nous avons 2300 et après ça, à 4000. Donc ce qui m'a fait PIM là, et tant que nous voyons l'OEL, c'est construction et plusieurs et nouveaux et bâtiments. Tant que nous voyons, ça c'est première phase. La première phase là, toute propriété ça, c'est des propriétés que nous récupérons. C'est des propriétés et cafétéria mounio qui là tout. Là, nous avons une cafétéria qui pour ouvrir. Ça, son deuxième cafétéria pour construire, nous fait l'autre phase. Deuxième phase, ma palais, et pour 2019 là, c'est les mêmes qui ont bâtiment 2, 3 et 4. C'est pour me dire que là, sous photo ça, on a l'autre bâtiment tout additionnel sous bois ça, et que nous récupérons tout. Bâtiment ça a pratiquement fini tout. Et nous pouvons mettre les en vente d'ici un mois et demi à deux mois. Et pour nous être capable de rentrer et commencer emploi additionnel. Donc, tant que nous allons, c'est pas une perspective, c'est pas un rêve, c'est une réalité liée. Et moi, le montrer nous là, qu'on est avec des photos à l'appui. Et s'il vous plaît. Là, on a parlé de développer capacité, on a parlé de ça déjà, nous trouver nouveaux investisseurs, créer 10 000 emplois. Bon,
Là, nous avons un problème technique, mais nous voyons très certainement. C'est une photo de nouveau bâtiment que je voulais montrer. Ça, c'est phase de construction yo, et qui passe déjà. C'est juste pour montrer une évolution et projet hein, qui j'en ai. C'est une phase ça que le passé. Ça, c'est le président qui fait une visite là à nous. Il a fait rentrer des ouvriers. Nous avons tout pour des vidéos pour nous. Mais malheureusement, nous avons retour son bail qui fait mercredi. Pour nous dire que la réalité, c'est que l'ouvrier commence à être là, parc industriel métropolitain. C'est pour nous et son API. Merci.